Ce 26 mars 2010, Craig Cook s'apprête à déjeuner avec son animal de compagnie. Un accident violent, traumatisant, l'a immobilisé du jour au lendemain. Il perd alors irrémédiablement l'usage de ses bras, de ses mains, de ses jambes. Craig réapprend à vivre et regarde le monde du haut de son fauteuil, sans perdre l'optimisme que tous ses amis du quartier de La Habra, en Californie, lui connaissent. Aux chiens, aux chats, aux oiseaux, il a préféré Minnie, le surnom qu'il a donné à un singe complice de ses journées. Minnie est un jeune singe capucin, agile et discipliné. Ils veillent l'un sur l'autre comme deux amis qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Devant l'objectif de Sébastien Mick, à l'heure du déjeuner, c'est Craig qui choisit le plat et Minnie qui l'aide à faire la cuisine. Il n'y a plus qu'à attendre la sonnerie du micro-ondes.